de cette organisation. Et, mais permettez-moi de saluer par passage ma directrice Salimata Boukoum, qui je représente, qui normalement devrait parler au nom de Saïd Sales. Alors, cet atelier-là est le résultat, par exemple, de plusieurs choses. Et ça rentre dans le cadre du renforcement du système de santé, notamment sur le volet la bonne gouvernance. Et Saïd Sales a appuyé le ministère de la Santé dans le cadre de l'élaboration de ce document-là pour permettre vraiment à tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la santé oculaire d'avoir un document d'orientation, de prévoyer, mais également de planification. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui suivent les salles de l'air. Qu'est-ce que vous faites pour donner ce tour? Ok. Dans ce cas, dans le cadre de ce projet-là, sachez que Saïd Sales travaille avec le Programme national de la santé oculaire. Et Saïd Sales intervient dans 9 régions du Sénégal, à savoir Fatick, Kaolack, Louga, Diourbel, Kaffrine, Ziguinchor, Tamba et Kédougou. Alors, dans l'ensemble de ces régions, nous menons plusieurs activités qui rentrent dans le cadre du renforcement du système de santé. À savoir, nous avons l'harmonisation d'abord des coûts liés, par exemple, à la prise en charge, par exemple, des problèmes de santé populaire, mais également, nous faisons des formations, des activités de formation pour vraiment la formation des techniciens supérieurs en ophtalmo, même des médecins ophtalmologues, afin de faciliter, par exemple, l'accessibilité des soins, par exemple, aux populations, parce que nous savons que la plupart des spécialistes sont basés, par exemple, dans la capitale, et nous contribuons, par exemple, à la formation des agents et nous faisons le plaidoyer pour qu'on puisse vraiment les redéployer dans les services sanitaires et ce qui rentre dans la politique, par exemple, du ministère de la Santé. Nous essayons également d'organiser des stratégies avancées pour les populations se trouvant dans les villages, c'est-à-dire les prestataires qui sont déjà formés vont dans ces villages-là pour vraiment organiser des camps de chirurgie qui sont gratuits. Mais nous équipons aussi, nous contribuons par exemple à l'équipement de ces structures sanitaires parce que pour avoir des soins pour faciliter l'accessibilité des soins, il faudra non seulement former, mais également mettre des équipements dans les circuits sanitaires, surtout dans les zones périphériques, hein, dans les régions dont je viens de vous citer, pour permettre vraiment aux populations d'avoir accès à ces circuits sanitaires, mais également des soins de qualité. Et nous faisons également des activités de communication, de sensibilisation des populations, pour les informer non seulement sur les causes de la cécité,